Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous amène avec nous. On va aller en fait à... On va aller visiter Genève. On a déjà été plusieurs fois à Genève. Mais chaque fois, nous sommes allés en voiture. Donc, j'ai ma soeur normalement qui vient du Gabon. Elle devait normalement passer chez nous, faire quelques jours. Mais le problème en fait, c'est qu'elle n'est pas vaccinée. Et... Au Gabon, là où elle est, c'est le vaccin chinois et le vaccin chinois n'est pas reconnu en Europe. Donc, elle ne s'est pas vaccinée et elle doit se vacciner ici. Mais le problème, c'est que moi, avec les congés, nous, on voyage vendredi. Donc, ce n'était pas possible pour elle de venir parce que le lundi, le temps de faire le test PCI en France et le temps de venir, en fait, s'il fallait qu'elle dorme, il fallait normalement qu'avant de repartir, qu'elle fasse un test PCR. Et ici en Suisse, le test PCR, c'est pas gratuit comme en France. Ici, c'est 168 € le test PCR. Donc, s'il faut venir juste pour un jour, deux jours et repartir, devoir payer 168 €, elle et ses deux premiers enfants, c'était quand même cher. Donc, elle a dit qu'elle viendra à Genève faire un aller-retour pour se balader dans les musées avec les enfants. Donc, on s'est dit, bon, on va aller la rejoindre et puis on va profiter pour visiter Genève à pied. Nous sommes mercredi le 7 juin. Ouais. Et donc là, on est à l'arrêt du bus et puis on attend pour partir. Mais malheureusement, c'est pas un beau jour. Il va pleuvoir. 80% de chances qu'il pleuve. De toute façon, le temps, il est gris. Et je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Et moi aussi, je dois faire mon test PCR. Mais comme en fait, on voyage vendredi et puis je ne pouvais faire que le test PCR aujourd'hui. Donc, j'ai pris un rendez-vous plutôt à Genève. Et je vais le faire à 10h30 à Genève, plutôt mon test PCR. Comme ça, ça permet qu'on soit là-bas parce que sinon, ça aurait été aller un peu plus tard. Et puis, le trajet coûte quand même cher, à environ 100 €. Heureusement, les deux enfants ne payent pas. Donc, si vous avez les enfants et que vous êtes en Suisse, vous voulez voyager, il y a la carte. Parce que elle, en fait, ma fille, il y a une carte junior. 6 ans, il y a la carte junior. Vous payez 30 €. C'est pour une année. Et alors, si elle voyage avec un de ses parents, elle ne paye pas le ticket, quoi. Donc, et l'autre, comme il a 4 ans, donc je vais payer juste le ticket pour moi. Et aller-retour, donc juste pour moi, c'est dans les 100 francs. Donc, on va arriver à la gare un peu plus tôt pour pouvoir payer le ticket parce que hier, sur Internet, c'était un petit peu compliqué. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on vous amène avec nous dans cette petite balade. Je vous prends après alors. Ciao, ciao! On a eu pour 108 francs en fait pour l'aller-retour pour Genève pour aujourd'hui. Donc là, on attend dans le train. Il arrive. Alors, on va faire pour manger. C'est beau ça, hein? J'aime bien. Ils ont des très bons chocolats. Une fois papa va acheter celui-ci, je crois. Une fois papa va acheter celui-ci. Ah oui, je m'en souviens. Très bon. Il a voulu acheter avec les M&M's. Et achat avec vous. Je vais aller faire mon test PCR. Avant qu'on commence les visites, parce que je crois que c'est mieux comme ça, c'est fait et puis après on peut se balader.
viens de finir mon test. J'ai l'impression que, oh my God, j'ai mal ici derrière. C'était tellement douloureux. Oh my God. Oh là là. Donc je disais, ouf, tout mon maquillage va couler. Je viens de finir mon test là. Oh my God. Oh, ça a été tellement douloureux. J'ai déjà eu à faire le test. En mars, à mon boulot, ils avaient exigé que toute la clinique fasse le test. Donc, j'avais fait le test. Et le test d'aujourd'hui, à côté de celui-là, c'est vraiment du pipi de chat, quoi, comme on dit. J'ai mal. J'ai l'impression que ça a touché ici derrière. J'ai atrocement mal. Ça n'arrête pas de couler. Oh my God. Oh là là. Oh. Je vais m'asseoir un petit peu quelque temps à l'arrêt de bus pour reprendre un peu mes esprits parce que, oh là là, elle a fait ça tellement. Là, on va au musée des sciences. Donc, je vous reprends quoi. Arrivé au musée des sciences, je vais vous montrer un petit peu la vue du musée, c'est magnifique. Hein? Les différents poids. Au Cameroun, quand on vend la viande encore, ils utilisent ça. Ils te mettent ta viande et puis ils te mettent ton poids. Et puis en fonction de ça, c'est ta viande qui est là. On mesure. Là, c'est pour un petit peu. Il mesure. On descend? On va faire autre chose. Et puis après on continue. Ok. David et Solène. On y va. J'aime bien ce lapin. My God. Les gens profitent pour faire du sport là. Et puis nous on va manger. Il y a une place en bas, un parc en bas
On va aller manger. Et William! Je crois que la première fois quand tu es venu, on avait fait ça. Mais après là, on a vu quand on a vu les musées, les sciences, les amis sont comme ça, ils gâchent en plus. Tu veux manger quoi, David? Tu veux manger quoi d'autre? J'aimerais m'asseoir là. Tu veux t'asseoir ici? Mm-hmm. Ça, j'en vais aller. Merci. Tu as mangé des chips ou bien tu veux des chips au fromage? Des chips au fromage. Quand vous vous baladez pour quitter d'une rive à une autre, vous avez la possibilité de prendre des petits bateaux comme ça. Ça vous amène d'un point à un autre. N'hésitez pas à prendre une carte et avec la carte, vous pourrez mieux vous orienter en fait par rapport à ces petits bateaux pour quitter d'un endroit à l'autre, pour aller visiter un endroit à l'autre sans, si vous ne voulez pas complètement marcher quoi. Vous avez la possibilité de marcher mais prendre aussi des bateaux et c'est super intéressant. Le ticket c'est pour une heure de temps et vous pouvez bien vous balader avec le bateau. On pouvait prendre le 12, ça c'est le 12. Oui, on peut prendre le... Bon, là nous sommes sur le chemin de retour. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous aurez aimé cette petite balade avec nous. Merci d'avoir regardé et puis je vous dis à un prochain vlog.